en train de battre la terre avant de la tourner ou avant de la malaxer. Pourquoi le grès ? Parce que pour moi, c'est une terre qui est noble, qui demande beaucoup d'exigence, parce qu'elle a énormément de mémoire. C'est-à-dire qu'au façonnage, si on se trompe, si on fait un mauvais geste, très rapidement dans la cuisson ou dans le séchage, on va s'apercevoir qu'on a fait une erreur. Donc c'est une terre qui demande énormément de discipline. C'est une terre que j'aime aussi utiliser pour ses capacités au niveau de réalisation de l'émail, puisque la plupart de mes émaux, je les réalise moi-même, si ce n'est tous. Donc à partir de recettes chimiques qui sont réalisées à partir de matières premières et d'oxydes colorants. L'intérêt, c'est aussi de pouvoir être complet dans son métier, tant au niveau du modelage que de la chimie, de la cuisson. Et moi, j'ai réussi à m'épanouir ou à me réaliser à travers cette terre-là, donc qui est du grès.